Bonjour les toqués du Tic Tac, on vient d'une mission extrêmement périlleuse, le test de la Tudor, celle de la Marine Nationale, la 21, avec le commando Hubert. Alors je suis parti avec deux mecs là, les mecs c'est pas des rigolos, je vous le dis tout de suite. Alors là, attention, c'est pas du lourd, c'est pas du très lourd, c'est du profond, du très profond. Je suis entouré de deux nageurs de combat du commando Hubert. Et c'est pas n'importe quoi, hein. Vous avez vu comment je suis sorti du Zodiac, hein. Toute la matinée, on a des missions incroyables. Pourquoi? Parce qu'avec la Tudor, Pelagos, FXD, eh ben, on a fait tourner la lunette bidirectionnelle, ce qui est une ineptie pour une montre de plongée. Mais c'est parce que c'est pas une montre de plongée. C'est une montre de nageur de combat. Voilà. Ça sert à tracer des caps. Alors moi, je peux pas vous en dire plus. Je sais qu'on est, là, vous regardez la carte, on a tracé des trucs, on a fait des trucs incroyables. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux nageurs de combat de la Marine Nationale et du prestigieux commando Hubert, le nageur X, le nageur Y, qui, eux, vont vous expliquer comment est-ce qu'on peut tracer des caps avec une montre qui a une lunette bidirectionnelle. Mr. X. Merci, Franck. Juste un petit point de détail, on ne trace pas des caps, et c'est bien une... On va vous expliquer comment on navigue sous l'eau en binôme avec, en se servant justement de la Tudor Pelagos FXD. Bon, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un binôme de nageurs de combat? Un binôme de nageurs de combat, c'est deux opérateurs certifiés de nageurs de combat de la Marine Nationale qui, en binôme, reliés par une sangle de vie, vont pouvoir effectuer des missions en subaquatique, donc en plongée, d'un certain temps, et travailler en binôme afin de partir d'un point pour rallier l'objectif. Pour ce faire, ils vont utiliser deux choses. Le premier opérateur, qu'on appellera le leader, lui est chargé du cap, donc de la direction et de la vitesse du binôme. Et le deuxième, lui, est le maître du temps. Et il va, avec la montre, calculer chaque créneau, chaque cap, chaque direction pour un temps précis, puisqu'on navigue à l'estime, donc au cap et au temps. C'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'il va faire par exemple 3 minutes dans ce sens-là, au top 4 minutes dans ce sens-là, au top 5 minutes dans ce sens-là. Exactement. On va partir pour un premier cap de 3 minutes par exemple. On va venir régler la lunette bidirectionnelle pour afficher le nombre de secondes exactement précisément, qui correspond à la distance voulue. Et à chaque virage en pleine eau, à chaque changement de direction... Quand t'es sous l'eau, quoi. C'est ça, tout à fait. À chaque changement de direction, on va venir réorienter la lunette dans un sens ou dans l'autre pour que ça corresponde au timing précis. D'où l'intérêt d'avoir une lunette bidirectionnelle qui se tourne facilement avec des gants, parce que quand vous êtes équipé, moi j'ai vu comment j'étais équipé ce matin, vous avez besoin d'avoir des instruments qui sont facilement manipulables. Oui, tout à fait. Tu as vu sous l'eau, Franck, ce matin, qu'il fallait qu'elle soit très préhensible et qu'elle puisse bouger dans les deux sens pour ne pas perdre de temps d'un cap à l'autre. Alors le truc qui est incroyable, et ça c'est bien de le préciser, c'est que ces mecs-là, non seulement ils ont une montre ici, mais ils ont un peu comme une horloge intérieure qui leur permet, quand ils palment, d'avoir une cadence qui est toujours la même. Donc évidemment, ils choisissent les cadences en fonction des missions, mais ils sont capables de palmer pendant, je vais pas dire X minutes, X heures, parce que tout ça est un peu c'est du secret, mais en tout cas, ils avancent toujours à la même vitesse et ils sont capables de le faire, je veux dire, une fois maintenant et la même vitesse dans 6 mois. C'est parce qu'ils s'entraînent tout le temps à ça. Pourquoi? Parce que leur vitesse de déplacement est un élément extrêmement important. Lors de la sélection au cours nageur de combat, il y a justement un module qui permet pour chaque nageur de venir s'étalonner, ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est de savoir lui personnellement quelle distance il parcourt avec un certain nombre de coups de palme. C'est ce qu'on appelle la navigation à l'estime. Bon, alors il faut savoir quand même que ces gens-là, ils ont des missions qui sont extrêmement dangereuses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont masqués, pour pas qu'on puisse les reconnaître, pour pas qu'on puisse les identifier. Ils vont aussi bien sauver des otages sur un bateau qui a été pris par des preneurs d'otages pour avoir une rançon, que vont faire une mission de renseignement, qu'ils vont aller placer en temps de guerre une mine sous un bateau ennemi pour le faire exploser. Mais surtout, ce que j'ai appris et que je ne savais pas, et c'est pour ça que je vous le transmets, c'est qu'ils sont évidemment les rois du monde sous l'eau, mais qu'ils sont également sur des missions terrestres. Donc nageurs de combat, c'est juste l'élite. Le commando Hubert, c'est juste l'élite. Voilà. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur qui ne soit pas secret sur les nageurs de combat? Donc vous êtes reliés par une sangle, hein? Oui. Il y en a un qui est devant, l'autre derrière, hein, c'est ce alors, que j'ai cru voir. Il y en a un qui est devant et l'autre qui est pas très loin, un peu en arrière du premier. Le premier, lui, se charge, comme je t'ai expliqué, de la navigation, de l'immersion. Il ne doit pas marsouiner. Le profondimètre est là-dessus, hein. Voilà, tout à fait. Ici, tu as le profondimètre en haut. Ça veut dire que là, en fait, vous voyez, il y a la boussole et le profondimètre. Donc celui qui est devant, d'abord, il est sur l'eau. Et là, c'est un terme que j'ai appris tout à l'heure, c'est marsouiner. Marsouiner, c'est quand les plongeurs, ils font comme ça.
Sauf que les plongeurs qui font comme ça, c'est les nuls. Eux, ils marsouinent pas. Eux, ils marchent comme ça. Vous voyez, un peu comme une torpille. Vous voyez. D'ailleurs, parfois même, ils utilisent des engins qui leur permettent d'aller plus vite et plus loin. Hein. Donc là, on vous a dressé le tableau, on vous a dressé le portrait un petit peu de leur métier. Ça veut dire que ce sont des gens hyper entraînés, qui plongent quasiment tous les jours quand ils sont en période d'entraînement plongé. Hein. On peut dire c'est, ça. C'est exact, Franck. Okay. Mais vous êtes capable aussi de sauter de combien de mètres? Quand vous faites un parachutage, vous pouvez sauter de plusieurs milliers de mètres? Oui, ça monte jusqu'au FL240. Et voilà, ça y est, il me parle chinois maintenant. Le flight level, t'as pas ton brevet de pilote, Franck? Eh non, j'ai pas le brevet de pilote. Non, mais hey, j'ai quand même mon permis bateau, hein, de croisière, hein, pour le côtier. Hein, vous pouvez sauter, vous êtes sorti équipé. On est sur vraiment ce qu'on appelle l'élite de la Marine nationale. Mais maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est cette montre, et puis de voir les cartes un peu, etc. Tu peux enlever la montre quand on... Oui, bien sûr. Tu me la rends. Hein. Je suis pas sûr. Voilà, donc voilà la fameuse montre. Hein. Donc là, vous voyez, la lunette bidirectionnelle, c'est vraiment une hérésie pour une montre de plongée. D'ailleurs, elle ne répond pas à la norme ISO des montres de plongée. Je rappelle que la norme ISO des montres de plongée, les principales caractéristiques, c'est la lunette tournante unidirectionnelle, parce qu'il ne faut pas qu'elle puisse tourner accidentellement pour les temps de plongée. Il y a aussi les indicateurs de marche. Généralement, c'est la petite seconde, avec un petit point Luminova dessus qui donne la luminosité sous l'eau. Les indications qui doivent être lisibles à une certaine distance, et évidemment, l'étanchéité. Vous connaissez ma marotte sur l'étanchéité? Cette montre est étanche à 200 mètres. D'ailleurs, j'en ai parlé avec vous. Comme le cahier des charges a été fait par eux, en disant, nous, le cahier des charges d'une montre, d'un nageur de combat, ça doit être une lunette tournante bidirectionnelle, une étanchéité à 200 mètres, des indications extrêmement lisibles, elle a été faite en collaboration avec la Marine nationale et avec le commando Hubert, qui est le commando d'élite. Donc c'est une montre, et vraiment, on va dire, c'est pas une montre de plongée, c'est une montre de nageur de combat, voilà. Bon, cela dit, vous amusez pas non plus. Attention, la lunette tournante bidirectionnelle, ce n'est donc pas un élément de sécurité comme une lunette unidirectionnelle. Donc évitez de partir en plongée avec. En fait, porter une montre comme ça, moi je considère que c'est un peu comme rendre hommage à ce commando mythique. Hein. Pourquoi il s'appelle commando Hubert? Quelqu'un le sait? Quelqu'un peut me le dire? Dans la Marine nationale, tous les commandos ont un nom d'un ancien commando marine mort au combat. Le lieutenant Augustin Hubert, lui, est mort lors du débarquement. Et donc, les nageurs de combat ont repris son nom en hommage. Eux, ils ne le savent pas et ils ne le diront pas. Parce que non seulement ils sont bons, mais ils sont très humbles. On nous envie ce commando-là. Il y a des pays qui rêveraient d'avoir des commandos d'élite comme ça. Et d'ailleurs, d'une manière générale, cocorico, l'armée française est considérée sur les théâtres opérationnels comme des meilleures armées du monde. Je crois qu'on peut le dire. Je crois que toi, tu peux pas le dire, mais moi, je peux le dire. Et voilà, hein. Ouais, vous avez compris, moi j'ai le droit de le dire. Alors tu vois, c'était sympa la mission parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi une montre de plongée où normalement la lunette doit être unidirectionnelle, elle est bidirectionnelle, parce que j'ai vu la manipulation pour les caps, et ben ça doit être extrêmement rapide pour votre timing. C'est ouais. Ça. Ouais, super. Franchement, extrêmement intéressant. Hein. Surtout, continuez la vidéo. Et puis vous voyez les vidéos qu'on fait là, avec des mecs comme ça? Ben, si vous en voulez plus, hein, abonnez-vous, puis activez la petite cloche. Hein. Avant de revenir sur les caractéristiques un peu particulières de la montre, j'aimerais que vous me montriez comment on trace un cap et comment on prépare une mini-mission, voilà, comme celle qu'on a fait ce matin, tu vois, quand on est tu vas le faire toi, quand on est parti d'un endroit, et tu vas dire, ben voilà comment ça marche, tiens, je te donne la règle, je te donne le compas, voilà. Bon, la mission, elle nous est donnée par nos supérieurs, et ensuite, au sein du Minome, on gère totalement notre plongée, donc on a un endroit de mise à l'eau, donc on essaie de prendre un point caractéristique et ensuite on fait comme tu l'as pu le voir un peu au permis côtier, là c'est niveau au-dessus, permis hauturier, on trace des caps avec des zones d'incertitude comme on peut voir ici, on a un cap, on a une cible, une ou voire même plusieurs cibles et ensuite on a un cap d'exfiltration comme on a fait ce matin. Donc voilà, on va vous simuler un petit peu que vous compreniez bien ce que ça peut être une mission de ce commando d'élite. Donc là voilà, c'est notre point de largage, commando Hubert, voilà. Donc là, soit on arrive par bateau, par avion, on est largué. Et puis, arrivé à un moment, ici, dans le port, eh ben, il y a des bateaux ennemis. Et puis, par exemple, tu peux avoir une indication de ton service de renseignement qui va te dire que là, il y a un filet anti-mine, anti-plongeur, par exemple. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tracer un cap, comment tu t'organises? Dans ce cas-là, au lieu de prendre, si j'ai le renseignement
en amont de ma mission, je viendrai décaler mon point de mise à l'eau pour éviter d'avoir à contourner. On peut faire des incursions, c'est-à-dire qu'on peut passer, si on peut passer sous ce filet, c'est juste un filet qui est de telle profondeur, on peut peut-être garder ce point de mise à l'eau. Comme on est indétectable puisqu'on ne fait aucune bulle, je pourrais peut-être, en fonction de mon obstacle, me permettre de passer sous cet objectif. Est-ce que c'est un secret de dire pourquoi vous faites aucune bulle ou est-ce qu'on a le droit d'en parler ? On fait aucune bulle pour être le plus discret possible. Pour ne pas faire de bulle, on travaille avec des appareils respiratoires qui recyclent l'oxygène, l'air et les autres gaz, et qui sont bloqués dans une cartouche, ce qui nous permet, nous, de ne pas faire de bulle. Comme une sorte de poumon artificiel qui respirerait et qui recyclerait un peu comme ça ? C'est un peu ce principe-là, Franck. Ah, d'accord. Et par exemple, quand on parlait d'un filet tout à l'heure, vous êtes à même, par exemple, de passer sous le filet ou de couper le filet pour pouvoir passer ? Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver en théâtre d'opération. Tout est possible. Si on a le bon renseignement, à ce moment-là, on peut partir avec le bon matériel et on peut éventuellement à s'adapter. L'idéal, c'est de ne pas perdre de temps sous l'eau. Donc on essaye de contourner les obstacles ou les dangers. Comme ça, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin. Et vous tenez compte aussi, par exemple, des courants qu'il peut y avoir pour adapter votre cap quand vous faites le briefing au départ, alors ? Comme dit Y, et comme il l'a montré, une mission se prépare toujours. On ne part jamais à l'improviste. Donc pour ça, on vient tracer, avec le renseignement qu'on a, ce qu'on va effectuer. Comme on ne fait jamais surface, ce qu'on planifie, on doit forcément le respecter. D'où l'importance d'une préparation minutieuse en avance de phase. C'est pour ça que chaque cap sous l'eau est à la seconde près. Ça veut dire que quand toi tu donnes un top, toi tu es derrière avec la montre et que tu lui dis c'est tac, maintenant on va prendre le cap 42 alors qu'on était au cap 12, tu fais ça et à la seconde près, hop, vous tournez. C'est ça, et puis surtout il va s'arrêter à la seconde près. Ça veut dire qu'en fait il va partir pour un cap de 3 minutes 32. Et pas 3 minutes 30. C'est incroyable qu'on arrive à ce degré de précision. Enfin, quand il dit qu'il prépare tout en avance, si les mecs ils sont super entraînés, c'est parce qu'ils sont super entraînés aussi au cas où il y a un truc qui n'était pas prévu. Et pour que, évidemment, ça ne présente pas qu'ils puissent réaliser des choses exceptionnelles sans mettre leur vie en danger, bien que leur vie, je veux vous dire, elle est en danger tout le temps. Quand tu traces un cap, donc on part d'ici, oui. Moi, ce que je ne comprends pas et ce que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est que tu pars d'ici, tu dois aller là. Donc tu vas forcément essayer le plus possible d'aller tout droit. Mais il peut arriver d'être obligé d'éviter un gros rocher ou des choses comme ça. C'est ça pour ça qu'on fait des caps successifs ? Bah, pas que, Franck. On y va aussi pour éviter de rentrer de biais dans un port. On peut venir se recaler. Donc on peut arriver, effectuer un virage pour être sûr d'arriver dans une zone. Et ensuite, une fois qu'on est sûr d'être dans cette zone, on sera beaucoup plus précis pour atteindre notre cible. Donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, on a toujours la même cadence. On a à peu près le même cap. On arrive à suivre ce cap pendant un temps donné, ce qui fait que on sait toujours à peu près où on est. On n'est pas toujours vraiment très très précis. Sous l'eau, on n'a pas de point de repère. Surtout que vous êtes en pleine nuit. Exactement, vous voyez rien. En pleine eau, de nuit. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on va attaquer les ports. Ça nous demande de retenir des câbles, des temps, et également les différents objectifs qui sont au niveau du port, pour éviter de se tromper, de poser une charge sur un mauvais bateau. Donc il faut connaître tous les bateaux qui sont dans le port. C'est une question idiote, mais je pense que comme il n'y a pas de question idiote. Il n'y a que des réponses indiscrètes. Quand vous tracez des caps pour aller à un bateau, est-ce que vous reprenez le même chemin pour revenir ou est-ce que vous prenez un chemin complètement différent pour qu'on puisse pas vous repérer au retour ? Généralement, c'est des caps différents. On a été discret à l'aller puisqu'on fait pas de bulles, donc on pourrait repartir par le même itinéraire, ce serait pas gênant, mais on fera au plus court pour repartir. On n'a plus besoin de se recaler, ouais, contrairement d'accord. À l'aller. D'accord, ça veut dire qu'il est probable que tu fasses une mission avec plusieurs caps pour aller et puis que tu reviennes tout droit. Tout à fait. Ça, c'est quand même intéressant. Combien de temps ça dure une formation de nageur de combat ? Il y a déjà des sélections en amont, en avance de phase, qui se déroulent à Lorient, à la maison mère, à l'école des fusiliers marins et commandos. Le cours nageur de combat à proprement parler, lui, dure à peu près 7-8 mois. Mais avant ça, il faut avoir réalisé d'autres sélections, le plongeur de bord, le commando marine élémentaire, le chef d'équipe commando, avoir une certaine expérience en commando marine à Lorient, qui varie entre 5 et 8 ans, avant de pouvoir prétendre au cours plongeur de bord et au cours nageur de combat. Et combien d'entraînement, parce que vous entraînez physiquement, faites du sport tous les jours pour avoir la caisse au top ? Tous les jours, les plongées également, tous les jours ? Et durant le cours nageur, on est à 2 plongées de nuit par semaine et une, voire 2 plongées par jour. Alors ça, c'est un truc qui m'a complètement... Mais je comprends, parce que c'est la discrétion. Votre métier, c'est que, en fin de compte, vous êtes invisible. Vous êtes invisible sous l'eau. L'invisibilité sous l'eau, c'est votre credo. Ça veut dire quand même que vous nagez dans la nuit noire, quoi. Vous n'avez pas de lampe, des trucs comme ça. C'est comme en avion quand on a le vol aux instruments. Vous faites une plongée aux instruments un peu. Tu sais que le vol aux instruments... Oui, tout à fait, c'est ça. On peut comparer un peu ça. Bon, maintenant, quand même, on va faire un peu court sur les nageurs de combat. Et maintenant, on va attaquer quand même les fameuses caractéristiques de cette montre. Alors, cette montre, c'est comme les grands crus de Bordeaux. C'est un assemblage de tout ce qu'il y a de bien dedans pour que ça soit une vraie montre
où on puisse évidemment tracer des caps et faire de la plongée avec. Comme tous les grands crus, c'est millésimé. Là, vous avez la 21, bientôt la 2022 va arriver. Et évidemment, si vous en voulez une, il faut vous rapprocher du détaillant officiel Tudor où sont vendues ces montres-là. Bon, maintenant, Est-ce que vous pouvez éteindre les Tokiwoki, s'il vous plaît ? Alors, cette montre, elle est comment ? Donc, revenons un petit peu maintenant sur les caractéristiques techniques à proprement dit, très horlogères, de la Tudor Pelagos FXD qui a été mise au point avec la Marine nationale et avec, évidemment, le prestigieux commando Hubert, celui, le commando des nageurs de combat. Donc là, on a un boîtier en titane de 42 mm de diamètre avec des attaches de bracelets qui sont particulières puisque c'est un bloc et un seul bloc. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit robuste, et comme le titane est robuste, et surtout, ce bracelet... C'est un élément de sécurité. Jamais il ne doit pouvoir s'arracher. Donc, pas question d'avoir des pompes traditionnelles. D'ailleurs, c'est sur ces attaches que vient se placer le bracelet tissé des ateliers Julien Faure, qui sont des ateliers français de très grande qualité. Donc là, on a la lunette tournante bidirectionnelle, en titane également, avec un disque en céramique. Pareil, la céramique, c'est extrêmement solide, qui est graduée rétrograde. Alors ça, c'est aussi une originalité de ce modèle. Normalement, ici, il y a les 15 minutes sont minutées, et ça tourne dans ce sens-là. Là, non, vous voyez, c'est complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 10, 20, 30, 40, 50, et le petit Luminova sur le triangle du haut, qui est un outil obligatoire pour les montres de plongée traditionnelles. On retrouve quand même des éléments des montres de plongée traditionnelles. Là, vous avez évidemment l'indicateur de marche, ça veut dire le petit point de Luminova qui est sur la trotteuse. Vous avez aussi évidemment du Luminova sur les aiguilles, avec la caractéristique aiguille Snowflake, qui est l'aiguille... Vous voyez, avec le petit carré qui ressemble évidemment à un flocon de neige. Si on retourne la montre, vous allez voir évidemment qu'il n'y a pas de pompe, mais des attaches extrêmement solides qui sont moulées avec la carrure. Et si je retire le bracelet, là, vous avez quoi ? Vous avez la gravure. Alors la gravure, c'est très simple. Hein. Évidemment, c'est le modèle Marine Nationale. Donc évidemment, il y a une encre. Et il y a MN21 Marine Nationale de l'année 2021. Ça veut dire que celle qui sortira l'année prochaine sera marquée MN22. Le calibre de manufacture, évidemment Tudor, qui est un calibre d'extrêmement bonne qualité, avec des qualités chronométriques qui sont meilleures que le COS. Les qualités chronométriques sont de moins 2 plus 4 secondes. Le calibre de manufacture, son numéro, si ça vous intéresse, c'est le MT5602. Il est à remontage automatique, ça veut dire qu'il se remonte au mouvement du poignet, mais pas n'importe quel remontage automatique. C'est un remontage automatique bidirectionnel. Donc encore trois petites choses un peu caractéristiques sur cette montre qui est importante. Je parle sous le contrôle, évidemment, des spécialistes. C'est que, évidemment, elle est protégée contre l'agression du magnétisme. Elle est antimagnétique. Alors, elle n'est pas antimagnétique, comme ça arrive souvent avec un boîtier interne en fer doux qui marche un peu comme une cage de Faraday. Là, elle est antimagnétique parce qu'elle a un spiral en silicium. Et donc, le silicium est un matériel complètement amagnétique. Maintenant, il y a aussi une chose qui est intéressante, et on voit ça dans les films. C'est quand les mecs, ils sont tous comme ça autour de la table, les mecs, ils font « réglons nos montres ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils mettent toutes les montres à la même heure, comme ça, et hop, elle est réglée. Oui, pourquoi ? Parce que c'est un dispositif de stop-seconde qu'il y a dessus. Ça veut dire que quand vous tirez la couronne, ça bloque la trotteuse. Ce qui permet, quand ils mettent la trotteuse à midi, de mettre l'heure qu'ils veulent. Et quand tout le monde a bloqué, quand tout le monde est prêt, ils appuient sur la trotteuse et là, ils sont sûrs d'avoir la même heure. Et comme c'est en plus, il y a de la bonne qualité chronométrique, c'est donc évidemment intéressant. Ah, une chose qui est aussi importante, il y a 70 heures de réserve de marche. Toi, tu m'as même dit que tu allais un peu plus loin. Hein, oui, tout à fait. Oui. Donc ça veut dire que pour un truc, il y a deux trucs qui sont importants pour les militaires. C'est la mission et les permes. Et donc, tu peux partir deux jours en perme avec ta montre, sans ta montre, tu la laisses, tu reviens, tu la remets, hop, elle est opérationnelle. Elle est opérationnelle. Donc c'était une émission un peu spéciale. Vous doutez bien qu'ils nous ont un peu chahutés, hein. Un YouTuber qui arrive sur la base des commandos Hubert, autant vous dire que c'est pas tous les jours. Donc, Franck Sensé, il s'est fait un peu chahuter par plongeur sans bulle, c'est ça ? C'est ça. Ouais, sauf que c'est faux. Tu me dis que t'es un plongeur sans bulle, mais c'est pas vrai. Parce que là, moi, si je regarde bien, il y a une petite bulle, là, il y a une petite bulle, là. Donc, c'est plongeur sans bulle, mais avec une bulle là-dessus. Sans bulle apparente. Ta réponse à tout. Hein. Il est comme ça aussi, quand il est devant ou derrière Tu sais que cette montre-là, quand elle est arrêtée, il y a un truc qui est fait spécial ? Non. Bah, quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte deux fois par jour. Ah oui. Ah ouais. Ah, ah pas mal, hein ? Donc, comme d'habitude, évidemment, on finit l'émission de la même façon. À tout à l'heure. Ah, le mot de la fin ? Humilité. Ah, humilité, c'est le mot pour les nageurs de... C'est le mot pour les nageurs de combat. Je crois que c'est une valeur que vous partagez avec la maison Tudor. Allez, à tout à l'heure. Vous avez le droit de faire ça, hein. Vous avez le droit, c'est pas interdit ça, vous avez le droit de faire ça. Au revoir.